Nous avons donc testé le Threadripper 7980X à 64 cœurs. Cette fois, c'est le petit frère 7970X, le processeur à 32 cœurs. Et afin de montrer à quel point cette performance est mentale, je dois éliminer ce type. Il s'agit d'Intel Xeon W9475X, qui est un processeur à 36 cœurs. Ce sont tous des cœurs de performance, donc 4 cœurs supplémentaires dont dispose AMD. Et ce type coûte plus de 50% de plus que ce Threadripper. Parlons maintenant des caractéristiques de ce type. Si vous souhaitez découvrir la plateforme et comment se compare la plateforme de bureau professionnel par rapport à la plateforme de bureau haut de gamme, parce que certains de ces processeurs sont intercompatibles et que vous pouvez réellement obtenir un processeur à 96 cœurs pour cette plateforme TRX50. Je vous recommande fortement de vérifier le déballage et nous y reviendrons plus en détail. Mais examinons maintenant certains de ces processeurs ici. Ce que vous pouvez voir, ce sont deux processeurs Threadripper, le 7970X à l'extrême gauche et le 7980X à l'extrême droite. Ensuite, nous avons l'Intel 3475X Xeon. Ensuite, le i9 d'Intel ainsi que le grand public, comme certains des meilleurs processeurs que vous puissiez obtenir, 4900K. Et puis aussi le Ryzen 7950X, qui est comme le processeur de plateforme grand public le plus élevé de Ryzen. Le Ryzen 9 possède 16 cœurs et 32 threads. Le 14900K possède 24 cœurs, mais 32 threads. Ainsi, à quantité égale de threads, le Xeon possède 36 cœurs, 72 threads. Et puis le 7970X possède 32 cœurs, 64 threads. En termes de fréquence d'augmentation maximale, Threadripper à 64 cœurs a augmenté de 5,1 GHz. Maintenant, sur ce 7970X, c'est 5,3 GHz. Donc un peu plus haut. Mais lors des tests avec ma carte mère, vous pouvez réellement voir qu'elle augmente jusqu'à 5,65 GHz. Absolument fou. Maintenant, vous pouvez le pousser beaucoup plus loin, mais insérez simplement le processeur. En fait, cela vous donne des vitesses d'horloge beaucoup plus élevées que ce que vous obtiendrez. En gros, vous savez ce qui est écrit sur la boîte. En regardant ces horloges boostées par rapport au Xeon, qui n'augmente que 4,8 GHz. Ce Threadripper a l'air vraiment très bon en termes de performance monocœur. Évidemment pas tout à fait les 6 GHz de ce que l'on obtient sur le 14900K, mais très, très proche des 5,7 GHz du 7950X tout à droite. Et Ryzen 9. Tous ces processeurs prennent en charge PCIe Gen 5. Et en termes de voie PCIe, ces 32 cœurs ont exactement la même disposition de voie PCIe que celle que nous avons sur le 7980X. Nous disposons de 48 voies PCIe Gen 5, 32 Gen 4 et 8 Gen 3. Par rapport à ce Xeon, qui le prend en fait un peu plus haut. 122 voies Gen 5. Donc, si vous regardez une plateforme 4.0 d'AMD Threadripper Pro 7000, alors ces processeurs-là, la version WX des processeurs ont en fait 128 voies PCIe Gen 5. Donc encore plus loin, en termes de RAM, le Threadripper prend en charge jusqu'à 1 Teraoctet de DDR5, qui est également pris en charge par ECC. Et ce sont des RDIMM. Le Xeon peut prendre en charge jusqu'à 4 Teraoctets. Donc bien plus que ce que l'on peut voir sur le Threadripper et les 14900K et 7950X. Il s'agit de 192 Gigaoctets de DDR5. Le Threadripper dispose de 4 canaux mémoire. Le Xeon dispose de 8 canaux mémoire par rapport aux doubles canaux que nous avons sur Ryzen 9 ou i9. En termes de cache, nous avons exactement la moitié de ce que possède le processeur 7980X 64 cœurs et 128 mégaoctets de L3. Le Xeon dispose de 82,5 mégaoctets de Smart Cache d'Intel, ce qui est en réalité inférieur à ce que nous voyons ici sur les Threadrippers. Maintenant, la puissance de base est de 350 watts sur le Threadripper et celle d'Intel est de 300 watts, ce qui, si vous le mettez sur une carte mère et que, vous savez, le laissez faire son travail sans même y mettre d'overclocking, il va en fait tirer 400W. Et lorsque vous souhaitez ajouter comme Max Turbo Boost, par exemple, le Speed Optimizer 2.0, alors il va tirer 450W sur ce Xeon, pas 360 watts de boost.
mais si vous souhaitez simplement fixer les limites de stock à 300 watts et 360W, mais que votre démarrage Threadripper atteint un maximum de 350W. Mais il appuie le DPB. L'overclocking est donc possible avec ces processeurs Threadripper. Il y a donc beaucoup plus de performance. Juste ce que vous pouvez en tirer si vous avez suffisamment de refroidissement. En termes de nœuds de processus, AMD utilise en fait Zen 4 5 nanomètres, ce que nous pouvons également voir sur la plateforme grand public Ryzen 9 Ryzen 9. Série Ryzen 7000. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous regardons Intel, ce qu'Intel appelle Intel 7, alors Intel a 10 nanomètres contre 5 nanomètres sur AMD, ce qui est une situation très similaire. Ce que nous avions sur la 11e génération d'Intel et du Ryzen 5000, où Ryzen avait 7 nanomètres et Intel avait 14 nanomètres, ce qui signifie qu'AMD est actuellement en train de gagner la course aux nanomètres. Ils ont un nœud un peu plus récent, ce qui signifie moins de puissance, des vitesses d'horloge plus élevées, de meilleures instructions par horloge. C'est donc vraiment bien pour le Threadripper. En termes de prix, ce Threadripper coûte 2 500 $. Et vous pourriez penser que c'est très, très cher, mais c'est à peu près la moitié du prix du 7980X, le processeur à 64 cœurs. C'est donc en quelque sorte égal ou logique. Et il ne facture pas de prime pour les 64 cœurs. Alors c'est bon. Mais la variante à 36 cœurs d'Intel coûte également 4 000 $. Comme vous pouvez le constater, le Ryzen semble plutôt bon en termes de prix. Mais maintenant les repères. Si vous souhaitez consulter la configuration de mon banc de test pour les plateformes Ryzen, Xeon ou Intel, je vais laisser la liste complète des spécifications dans la description ci-dessous. Tout d'abord, parlons du contrôleur mémoire, qui est souvent un peu ignoré. Désormais, le Ryzen 7000 propose 5200 mégatransferts par seconde. Si vous avez deux sticks appliqués, si vous avez quatre sticks, cela tombera à 3600 mégatransferts par seconde sur la plateforme grand public Ryzen, car il ne s'agit que de deux canaux. Et quand vous devez diviser les canaux, vous savez, en gros, l'IMC ne peut pas suivre le rythme. Désormais, le Threadripper Pro est évalué à 5200 mégatransferts par seconde, ce qui est identique. Mais maintenant, nous avons quatre chaînes. Vous pouvez obtenir 5200 avec les quatre canaux lorsque vous appliquez ces bâtons. Mais en réalité, il peut faire bien plus que cela, car AMD a envoyé un kit de 6400 mégatransferts par seconde pour tester avec Threadripper et cela fonctionne parfaitement. Je n'ai eu aucun problème de mémoire. L'IMC est donc incroyablement bon et un peu. Appelons-le mieux que Ryzen 7000 et vous connaissez le grand public car il y a plus de chaînes et vous avez une chaîne dédiée et cela peut les augmenter un peu plus haut. Il n'est pas nécessaire de diviser les chaînes à ce sujet. Le Xeon a ici une spécification de 4800 mégatransferts par seconde pour l'IMC. Maintenant, même cela est un peu conservateur lorsque vous appliquez l'ensemble de ces 8 canaux, car Intel a envoyé un kit de 6000 mégatransferts par seconde pour tester avec le Xeon. Donc même cela peut aller un peu plus haut que le Ryzen, mais ils ne sont pas exactement comparables car l'un a 8 canaux, l'autre 4 canaux. Donc, en fonction de votre kit de RAM et de choses comme ça, vous pourriez obtenir des résultats différents. Mais le 14900K possède les canaux mémoire les plus élevés et les plus rapides. Si vous voulez juste avoir deux sticks, 5600 mégatransferts et 4000 lorsque vous avez 4 sticks. Maintenant, j'utilise le 13900K et avec 4 sticks, je peux obtenir beaucoup plus haut que 4000. Mais ce sont comme les spécifications sûres promises par Intel en ce qui concerne l'évaluation de leur IMC. Je suis donc heureux de voir que le Threadripper a un meilleur IMC. C'est le Ryzen 9. En regardant la consommation électrique maximale lors de l'utilisation d'un Cinebench R23, nous pouvons voir que le 7970X consomme 350 watts. Exactement ce que disent les spécifications sur la boîte. Xeon consomme 400 watts, ce qui est un peu plus. Et si vous ajoutez l'optimiseur de vitesse, cela va encore plus haut et vous pouvez l'overclocker à 900 et au-delà de 1000 watts si vous disposez du refroidissement nécessaire. Donc ça va vraiment plus loin. Le 7950X consomme 230 watts et le 14900K est très, très proche de ce 7970X à 32 cœurs de 325 watts lorsque l'amélioration multicœur est activée. C'est testé sur le Z790 Pro sur la carte mère. Jetons un coup d'œil aux applications de retouche photo et à la qualité de ce Threadripper. Premièrement, Photoshop, le Xeon est 25,6% plus lent dans le score global. C'est beaucoup. Et cela est dû en grande partie aux performances d'un seul cœur. Ce que nous voyons sur le Threadripper.
Nous y reviendrons à la fin de la vidéo où nous verrons le processeur et les performances de rendu. Mais les candidatures d'abord. Le score général est 27,8% plus lent. C'est une énorme victoire pour le Threadripper. Il est intéressant de noter que le score GPU est plus rapide sur le 7950X, mais le score général est environ 36% plus lent. Il est intéressant de noter que le score de filtrage est 64% plus rapide. Nous obtenons donc un peu les performances monocœur du Ryzen 9, mais les performances multicœur d'un Threadripper, ce qui est plutôt intéressant ici. Le 14900K est beaucoup plus rapide que n'importe lequel de ces autres processeurs ici car il est très légèrement relié au processeur. Et vous pouvez constater que le score global est environ 20,5% plus rapide. Dans Lightroom classique, on constate que le Xeon n'est plus si loin derrière le Threadripper. Seulement 1,2% plus lent dans le score global. Le score actif est en fait intéressant un peu plus rapide, ce qui n'a pas de sens pour moi car les performances monocœur sont meilleures sur le Threadripper. Je ne sais pas en quoi le Xeon est un peu plus rapide là-bas, mais sur le plan passif, le Threadripper est plus rapide. Donc, les performances multicœur lorsque nous exportons et effectuons une partie du rendu de photos ou exportons des photos, assemblons des panoramas, des choses comme ça. Le Ryzen 9 est ici 8,5% plus lent et le score actif est un peu plus rapide, ce qui est logique ici car les performances monocœur sont meilleures sur le Ryzen 9. Et environ 11,5% plus lent dans les scores passifs. Le 14900K est environ 1% plus rapide dans le score global, ce qui est à peu près le même et environ 10% plus rapide dans le score actif, mais environ 1,9% plus lent dans les scores passifs. Donc, en termes d'application de retouche photo, je dirais que Threadripper n'a toujours pas vraiment de sens pour vous, à moins que votre flux de travail nécessite spécifiquement d'exporter de nombreux fichiers RAW au format JPEG, par exemple, ou d'assembler de très grands panoramas où le performance multicœur d'un processeur là où un seul Ryzen 9 ou Intel i9 ne le fait pas à votre place. Mais vous savez, à ce stade, je dirais toujours que peut-être un meilleur rapport qualité-prix est un Ryzen 9 ou un Intel i9 où vous obtenez beaucoup plus pour vos performances. Mais pour certains de ces flux de travail, certains de ces créateurs, tout est question de vitesse, car le flux de travail est si rapide que ce que Threadripper fait. Beaucoup de sens. Je vous recommande fortement d'aller consulter la revue Threadripper 64 cœurs et vous voyez que ce 32 cœurs dans presque toutes ces applications ici fonctionne de manière très, très proche, sinon meilleure, que le cœur 64 simplement parce qu'il a moins de cœurs et que les applications sont plus nombreuses. Optimisé pour les processeurs de moindre cœur. Passons au montage vidéo. Dans Premiere Pro, le Xeon est 20% plus lent, soit à peu près cela dans les scores globaux étendus et standards. Le score étendu RAW est 40% plus lent et le standard environ 36% plus lent. C'est absolument insensé. Le Xeon est donc très critiqué ici dans Premiere Pro. Le Ryzen 9 est environ 5,3 à 8,7% plus lent dans les scores globaux standards et étendus. Les scores interframe et RAW sont un peu plus lents, mais il est intéressant de noter que les effets GPU sont un peu plus rapides sur le Ryzen. C'est peut-être la façon dont fonctionnent les performances d'un seul cœur, quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le constater, dans la plupart de ces domaines, le Threadripper est meilleur que le Ryzen 9. En termes de 14900 Kelvin, c'est en fait meilleur que le Threadripper, probablement à cause de l'IGPU et d'Intel QuickSync. Vous pouvez voir que le Longhop, qui est, vous savez, H264, H265, où nous pouvons utiliser l'IGPU, est 23 à 28% plus rapide que le Threadripper. Ainsi, même ces gros cœurs ne peuvent pas fonctionner aussi rapidement que sur un accélérateur matériel dédié comme l'UHC770, l'IGPU. Les scores interframe et RAW sont meilleurs sur le Threadripper, comme vous pouvez le constater, jusqu'à 10%. Ainsi, en fonction de votre flux de travail et des codecs que vous utilisez, le Threadripper peut avoir du sens, en particulier lorsque nous passons à des résolutions plus élevées comme les séquences RAID 8K, ARRI 8K, 8K RAW, quelque chose comme ça. Mais cela a beaucoup plus de sens car ces cœurs 8P ne peuvent tout simplement plus le faire sur Intel. Mais je souhaite proposer ici une autre sélection de Premiere Pro, qui se situe entre les cœurs 64 et 32. Ici, le 32 cœurs est en fait plus rapide que le 64 cœurs. Comme vous pouvez le constater, 64 cœurs sont environ 1 à 2% plus lents dans les scores globaux. Le Goplon est un peu meilleur sur les 64 cœurs où nous avons plus de cœurs à faire passer dans des codecs très compressés. Mais l'interframe et le RAW obtiennent de meilleurs résultats sur les 32 cœurs,
même sur les GPU, les FX, etc. Donc, selon ce que vous faites, le noyau 32 pourrait avoir du sens pour vous. Dans After Effects, le Xeon est 23,9% plus lent dans le score global et 47% plus lent dans le score multicœur. Le Threadripper fait une grosse connerie. Le Ryzen 9 est environ 4% plus rapide dans le score global. La partition multicœur est évidemment un peu plus lente. L'aperçu de la RAM est également un peu plus lent. Mais il est intéressant de noter que le suivi sur le Ryzen est absolument incroyable et fait un peu de bruit pour ce Threadripper. En fait, 70,5% plus rapide. Le 4900K est environ 1,3% plus rapide dans les scores globaux. Donc quelque part entre le Threadripper et le Ryzen 9. Mais il est intéressant de noter que le processeur Intel offre le meilleur aperçu de la RAM. Passons à DaVinci Resolve. Et ici, ce 7970X est comme au-dessus du Ryzen 9. En plus de ma charge du processeur, il y a ce que j'ai testé jusqu'à présent. Il est absolument incroyable et a battu le Threadripper à 64 cœurs d'environ 20%. Oui, 20% plus rapide que la variante à 64 cœurs, ce qui est absolument insensé. Gardez à l'esprit que je n'ai plus de Xeon ici. La deuxième colonne est le noyau Threadripper 64. Le 7950X est environ 13,7% plus lent dans les scores globaux étendus ou environ 12% plus lent dans le score global standard. Le 4900K n'y est qu'un peu plus lent, 1,5% dans les scores globaux étendus et environ 3,7% plus rapide dans les scores globaux standard. Mais les scores multimédia 4K et 8K sont beaucoup plus rapides sur le cœur Threadripper 32. Mais en même temps, Fusion est plus rapide sur la plateforme Intel en raison des performances d'un seul cœur. Donc, pour le montage vidéo, il y a de bonnes nouvelles à ce sujet. Je pense que pour DaVinci Resolve en particulier, le cœur 32 a beaucoup de sens. Surtout si vous travaillez avec des fichiers plus gros et plus gros, des codecs bruts un peu plus exigeants comme 8K ou quelque chose comme ça. C'est absolument incroyable. Dans certains cas, comme si vous travaillez avec H265 et H264, le système Intel peut avoir plus de sens simplement en raison de l'accélération matérielle de l'IGPU. Mais à part cela, le Threadripper est bien meilleur dans presque tous les autres aspects. Absolument un tueur de processeurs dans ce domaine. Passons au rendu CPU. Et ici, nous voyons le Threadripper briller absolument. Donc, en regardant vers et d'abord, le Z ici tire en 400 watts de la prise et 22,5% plus lent, consomme 50 watts de plus et est plus lent et coûte plus cher. Ainsi, le Threadripper obtient une très grosse victoire et gagne dans toutes les catégories. Le Ryzen 9 est 44% plus lent et le 14900K est 48,5% plus lent. Ce Threadripper est donc presque deux fois plus rapide qu'un i9, 14 et 900K. Cinebench R23, le Zedin est environ 14% plus lent dans la partition monocœur et environ 21,6% plus lent dans la partition multicœur. En score monocœur, le Ryzen 9 est environ 1,5% plus rapide en score monocœur. Nous pouvons donc voir ici qu'ils sont à peu près les mêmes et que nous obtenons une architecture Ryzen Zen 4 sur Threadripper. Les performances d'un seul cœur sont très similaires. Mais le score multicœur est beaucoup plus rapide. Comme vous pouvez le constater, le Ryzen 9 est 42% plus lent. 4900K est environ 14,6% plus rapide dans le score monocœur, mais environ 38,4% plus lent dans le score multicœur. Passons à Cinebench R23. Je n'ai pas de benchmark pour ce Xeon pour le moment car je n'ai plus la carte mère. La carte mère a été envoyée ailleurs. Je ne peux donc pas établir cette référence pour celui-ci. Ce n'est donc pas parce que ça n'a pas fini. Je n'ai tout simplement pas de référence pour cela, mais à peu près la même chose que ce que nous avons vu sur R23 ou Geekbench 6. Le Ryzen 9 est littéralement le même ici. Comme vous pouvez le constater, les performances monocœur sont exactement les mêmes que celles du Ryzen 9 7950X. Le multicœur est 43,7% plus lent dans le Ryzen 9. Le 14900K est environ 12,5% plus rapide en version monocœur et environ 40% plus lent en version multicœur. Threadripper fait donc encore une fois des performances multicœur étonnantes. Dans Geekbench 6, nous constatons des résultats très similaires. Ce que nous avons vu sur Cinebench. Le Xeon est environ 17 à 21% plus lent dans les scores monocœur et multicœur. Le 7950X est à peu près le même en termes de score monocœur et environ 23% plus lent en termes de score multicœur. Un 14900K est environ 6% plus rapide dans le score monocœur et environ 14% plus lent dans le score multicœur. Ce sont donc les tâches quotidiennes générales et toutes sortes de petites tâches et, vous savez,
les flux de travail que le processeur traverse. C'est ce que teste Geekbench 6. Mais dans le rendu 3D, disons que vous ne pouvez pas confier toute la charge de travail de rendu à votre GPU et que vous avez besoin de beaucoup de RAM. Et c'est ici qu'intervient Threadripper. Le Xeon ici, qui consomme 400 watts, soit 50 watts de plus, coûte beaucoup plus cher, et 19 à 26,5% plus lent. Que le Threadripper qui a moins de cœur, moins cher, plus efficace et gagnant. Gardez à l'esprit que ces deux modèles sont les plus récents de chaque génération. Intel et Ryzen, ce qui est des performances absolument incroyables pour ce Threadripper. Les instructions par horloge par rapport à l'Intel sont bien meilleures et l'Intel est bien meilleur. Et le rendu 3D est non seulement bon pour le rendu 3D, mais il en consomme également moins. Comme vous pouvez le constater, c'est une grande victoire dans toutes les catégories pour le Threadripper en termes de rendu 3D. Le 7950X est environ 36 à 47% plus lent que ce 32 cœurs. Et ici, nous voyons en fait une assez bonne mise à l'échelle dans Blender. Le Ryzen 9 à 16 cœurs, puis le Threadripper à 32 cœurs. Donc doubler le nombre de cœurs. Et nous obtenons pratiquement le double des performances dans certains flux de travail. Comme vous pouvez le voir, la scène des Juke Shops est 46% plus lente. C'est presque le double des performances du 32 cœurs, ce qui est vraiment très bon comme signe pour ce Threadripper. Il ne s'agit essentiellement que de deux Ryzen 9, boum, réunis. Et puis vous obtenez ce Threadripper avec beaucoup plus de voix PCA et beaucoup plus d'évolutivité, etc. Le 4900K est 44 à 49% plus lent à Minster. Scène Juke Shop et Classroom, comme vous pouvez le voir deux fois plus vite sur le Threadripper que sur le i9. Maintenant, autre chose ici, le Xeon ici est également très overclockable. Et si nous mettons l'optimiseur de vitesse en marche et qu'il consomme 100 watts supplémentaires de plus que le Threadripper, 450 watts, même dans ce cas, il est 7,7 à 15,5% plus lent dans les scènes Minster, Juke Shop et Classroom. Donc, comme vous pouvez le voir dans le rendu 3D, le cœur 32 est absolument fou. Et si nous comparons ici maintenant le 64 cœurs au 32 cœurs, les 7970X et 80X entre eux dans Blender, nous pouvons voir que le 64 cœurs est environ 61 à 74% plus rapide que le 32 cœurs. Comme vous pouvez le constater, le cœur 64 n'est pas aussi évolutif que le cœur 32 ici. Il est un peu plus rapide, presque le double, mais pas aussi proche que le Ryzen 9 par rapport au 32 cœurs. Je pense donc que le 32 cœurs ici est un très bon intermédiaire. Maintenant, de manière générale, quelle est la conclusion de ce Threadripper? Je suis très impressionné et vous devriez l'être aussi, car cela offre de nombreuses performances incroyables. La première fois, nous voyons où nous n'avons pas réellement de baisse de performance d'un seul cœur par rapport au Threadripper et au Ryzen, comme la plateforme à ressort principal comme Ryzen. Cela a, dans la marge d'erreur, la même vitesse monocœur que le Ryzen 9 7950X ou le meilleur de ce que Ryzen peut offrir, mais les performances multicœur d'un processeur absolument de qualité serveur, ce qui est un genre incroyable de mélange et de mariage entre les deux. Point. Et pourquoi nous obtenons ces Threadrippers qui sont incroyables pour les créateurs dans certains flux de travail? Les performances du processeur sont donc absolument incroyables, comme vous l'avez déjà vu. Et si vous effectuez des charges de travail multicœur, ou si vous avez besoin de beaucoup d'évolutivité, de stockage ou dans certains flux de travail, il n'y a pas de concurrence pour cela. Et c'est génial, économe en énergie, réellement rentable par rapport à tout le reste. Et selon ce que vous faites, c'est souvent mieux que le 64 cœurs car le logiciel ne sait pas seulement quoi faire avec 64 cœurs, mais il est un peu plus optimisé pour le 30 cœurs. L'extensibilité de ce Threadripper est folle. Je sais que vous souhaiteriez tous avoir ces éléments matériels. Vous pouvez l'exécuter sur vos voies XA sur vos Ryzen 9 ou Intel i9, mais ce Threadripper, en réalité, combien de GPU vous souhaitez exécuter, tout ce que vous souhaitez ajouter en termes d'extensibilité, il vous couvre. Et probablement un peu plus aussi. Le support de la RAM est incroyable. Quadruple canal jusqu'à 1 teraoctet plus ECC. Cela vous amène à un tout autre niveau. Et je suis en fait assez étonné par l'efficacité énergétique, même si l'on a augmenté le CDP de 280 watts. Faire cela n'est pas un problème. Lors du refroidissement sur Cinebench R23, la charge de travail multicœur, tous les cœurs, en le pingant absolument, ne dépasse pas 70 degrés avec un AIO là-bas. J'utilise le NME XLeakTech 2360 mm AIO, comme vous pouvez le voir à l'arrière, et il fonctionne absolument bien. Est-ce refroidi à l'air? Absolument. Procurez-vous le Noctua NHU14 avec deux ventilateurs, et vous pourrez facilement le refroidir car la chaleur est répartie le long de l'IHS,
pas seulement sur un seul endroit comme un i9. L'amélioration IPC par rapport au Ryzen 3000 Threadripper ou 2000 Threadripper est également insensée. Donc, si vous utilisez l'une de ces premières versions de Threadripper et que vous êtes comme l'un de ces gars de Threadripper, alors il s'agit d'une mise à niveau incroyable à découvrir. Et le dernier bon et mauvais côté de cela est qu'il n'y a en réalité aucune rivalité dans ce domaine. Comme si personne ne faisait ni ne proposait quoi que ce soit. Comme vous pouvez le constater, ce i1, plus cher, plus core, moins puissant, se fait battre sur tous les plans. Mis à part certains flux de travail RAM où vous avez besoin de 4 Teraoctets de DDR5 ou de plusieurs voies PCA, alors c'est là. Mais en même temps, pourquoi ne pas opter pour la plateforme Ryzen Threadripper Pro qui offre encore plus que cela? Donc je suppose que Threadripper gagne avec un gros coup. Certains des inconvénients à considérer. C'est cher par rapport au Ryzen 9 et Intel i9. Et si vous êtes un éditeur de photos ou de vidéos, assurez-vous maintenant que cela a réellement du sens pour votre flux de travail. Souvent, cela ne vous donne pas plus de performance en investissant simplement plus d'argent pour résoudre le problème. C'est vraiment pour des flux de travail un peu plus spécifiques ou si vous avez vraiment besoin d'évolutivité, etc. Et pour un meilleur rapport qualité-prix, vous obtiendrez toujours cela avec les Intel i9 ou les Ryzen i9. Mais pour ces flux de travail spécifiques, il n'y a pas de concurrence pour cela. Une chose qui est légèrement préoccupante est que la plateforme Threadripper étant chère, nous nous attendons à un support de socket ou de plateforme long. Ainsi, lorsqu'ils proposent de nouveaux processeurs, nous pouvons simplement les insérer et bénéficier de tous les avantages du nouveau processeur ou des performances du nouveau processeur. Ainsi, à cause de la série Ryzen 3000, ils ont en fait ignoré la série 5000. Il y en avait deux, trois qui allaient dans la même prise, je pense. Peut-être même un, deux, trois. Mais maintenant, c'est une chose un peu incertaine. Je pense que nous pouvons être positifs à ce sujet car la DDR5 est tout simplement nouvelle et la DDR6 ne sortira pas encore pour la RAM comme ci de sitôt parce que nous venons d'entrer dans la DDR5. Il y a donc un long support pour le socket, mais le point d'interrogation pourrait ne pas vous laisser à l'aise. Et pour la consommation d'énergie plus élevée, je recommande fortement d'opter pour un refroidissement sérieux. Ne pensez pas simplement que vous pouvez vous en sortir avec n'importe quel refroidissement. Vous avez besoin d'un bon refroidissement pour obtenir toutes ces performances, surtout si vous effectuez un rendu à long terme ou du jour au lendemain ou quelque chose comme ça, en mettant en place des projets de grande envergure. Je suis donc sûr que cela va de soi, mais vous avez besoin d'un bon refroidisseur pour ce système Threadripper. Alors mes amis, je suis très content de cette performance de Threadripper. Restez dans les parages pour cette version de Threadripper. Nous allons également faire d'autres choses. Voyez jusqu'où nous pouvons overclocker ou augmenter la précision pour voir à quel point, vous savez, les performances sont toujours comme en stock là-bas, car cela peut aller bien au-dessus du stock. Faites-moi savoir si cela vous intéresse. Si vous avez d'autres éléments de contenu que vous aimeriez voir, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez consulter ce Threadripper ou la plateforme, je laisserai les liens dans la description ci-dessous où vous pourrez obtenir les dernières informations sur Threadripper. Vous pouvez les consulter. D'ailleurs, Gigabyte possède une très, très belle carte mère TRX 50. Je vais essayer de laisser cela dans la description également. L'Aero. Oh, si vous voulez un système Threadripper blanc, eh bien, ce sera bien. Ce serait très, très bien et intéressant. J'aimerais faire ça. Quoi qu'il en soit, si cette plateforme est très chère pour vous et que vous vous demandez s'il existe des options plus abordables, comme peut-être 1000$, alors j'ai des guides de construction allant d'environ 700$ à 5000$ plus des dollars dans la description ci-dessous. Si vous vous demandez simplement quel est le meilleur PC à construire et à acheter, j'ai les guides dans la description ci-dessous. Complètement libre. Allez les voir. Merci les gars d'avoir regardé. Et je vous verrai dans la description ci-dessous. Je pense que je voulais dire la section commentaires ci-dessous. Oui, je te verrai là-bas. Bye bye.